Bonjour monsieur Michou. Oh monsieur l'agent, BG. Ah bah merci, merci, c'est les nouvelles tenues que madame la maire m'a envoyées. Oh, waouh, bah incroyable. Eh, hey, il y a eu du changement à Crazy Town. Ah bah bien sûr. Il y a le commissariat qui est apparu, ouais. Ouais, eh hey, ça fait plaisir hein, le petit escalier, parce qu'avant ça avait l'air compliqué. Ouais, c'était un peu compliqué, il y a pas grand monde qui venait pour porter plainte, donc là j'ai tout bien fait, ouais. Bien fait, des cellules flambant neuves, une salle d'interrogatoire, il y a même un accueil. Eh hey, mais ça tombe bien. Moi là, je vais commencer à créer ma petite maison tranquille. Ouais. Et après j'aimerais bien te parler parce que je pense que je peux peut-être être utile à la ville avec le temps. Ah bah carrément, carrément, je suis intéressé. Parfait. Bon, on se tient au courant. Bon courage. Ouais. J'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. De mon côté, ça va super bien. Et comme vous avez pu le voir, je pense que c'est visible, hein, juste là, j'ai enfin mon premier partenaire sur la chaîne. Bon, je pense que vous connaissez toutes et tous, hein, c'est NordVPN. Du coup, ils vont m'accompagner pendant tout ce mois d'avril. Bah, ça fait ultra plaisir. Qu'est-ce que NordVPN ? Quoi ? Il y en a qui connaissent pas NordVPN dans le chat. Je vais vous expliquer. NordVPN, bah, c'est un VPN, hein, tout simplement, qui permet de vous protéger en ligne, de naviguer depuis n'importe quel pays sur Internet pour le divertissement et le sport. Moi, je sais que quand j'étais en Corée, j'avais eu ce problème-là. Je suis abonné à Canal+ et je voulais regarder l'UFC. Et depuis la Corée, je pouvais pas parce que, bah, j'étais à l'étranger, quoi. Du coup, ça marche pas l'application. Mais là, par exemple, bah voilà, vous pouvez suivre vos programmes. Je sais pas, Koh-Lanta en ce moment, par exemple, bah si vous êtes à l'étranger, vous pouvez regarder sur MyTF1 avec le VPN en vous plaçant en France. Vous pouvez, grâce à l'abonnement, protéger jusqu'à 6 appareils avec un seul compte. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Là, en ce moment, avec le code en tout cas Actuan, vous avez accès à 4 mois offerts en plus de votre abonnement de 2 ans. Et sur tout le mois d'avril, il y a un concours qui vous permet de remporter une Tesla modèle Y. Une Tesla à remporter pour toutes les personnes qui souscrivent à un abonnement de 2 ans. Je vous montre juste vite fait. Bah en gros, quand vous cliquez sur le lien, vous avez différentes offres. Donc là, c'est les offres sur 2 ans. Et donc dès que vous souscrivez, enfin s'il y a une offre qui vous intéresse, après vous avez une case à cocher pour participer au concours. Pour pouvoir participer au concours, par contre, désolé, parce que je sais qu'il y a des Belges et des Suisses qui suivent, mais là c'est ouvert à tous les résidents français, métropole ou dom-tom. Donc désolé aux viewers belges et suisses. Et il faut souscrire du coup pour au moins 30 jours. Donc voilà, il y a le lien dans le chat si vous êtes intéressé. Merci pour le soutien. Puis merci à vous aussi, hein, c'est grâce à vous. S'il y a des marques qui acceptent de soutenir la chaîne, ça fait ultra plaisir. Donc voilà, cliquez, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Zafil, j'avais une question, c'est quoi ça? Je vais même pas vu. Pour Zafil, mon rayon de soleil. Vous n'avez pas changé? Oh waouh. Ah mais je sais vraiment pas d'où ça vient. Wow. Je sais même pas qui ça peut être. Je suis tombé à pic. Bah figurez-vous que là je vais dans mon ranch et on avait énormément de vaches et il m'en reste plus que 2. C'est moi je qui comprends pas comme si on... C'est Emma, je pense qu'ils ont du cuir, ils ont des vaches. Attendez, il vous reste plus que 2 vaches? 2 vaches. Bon, attendez, venez, je vais voir ça. Les choses comme ça, je les prends très au sérieux. Le bien-être animal, c'est très important pour moi. Oula, ah oui. Regardez, il me reste plus beaucoup de vaches, il m'en reste seulement 3. Oh là là, alors, qu'est-ce que c'est passé? Allez, avec 2-3 bouts de foin, on n'en parle plus et ça revient à la vie. Mais oui, mais j'aimerais bien qu'on m'explique qui attaque mes troupeaux. Je vais mener une enquête si vous voulez, je pourrais faire quelques rondes. Bon, après, d'un autre côté, bon, la personne qui a fait ça, c'est pas non plus un monstre parce que en soi, les vaches ont un peu plus de place. Je compte sur vous pour mener l'enquête. Je vais mener l'enquête et je peux vous assurer que la personne qui a fait ça ne s'en sortira pas indemne. Merci beaucoup parce que j'étais très. Vous êtes allé chez moi là? Je me permets d'emprunter vos clés. Ah oui, d'accord. Oh bah, depuis le temps que j'ai. Attendez ça, on va passer la nuit ensemble. Ah bah, et bah voilà, bonjour. Ah bah, c'était très agréable. Ouais, j'ai passé une bonne nuit. Très confortable, votre ligne. Bonjour. Ça dit quoi? Bah toi, ça dit quoi? Je venais voir cet appartement en ruine, là. En tout cas, c'est bien moche. Et mes affiles, vous êtes louches, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, je me promène. Ah, c'est okay. Un délit, c'est ça? Vous allez encore me mettre les menottes, hein? La seule raison pour laquelle je peux vous menotter, c'est pour délit de beauté. Et vous le savez, espèce de beau gosse. En tant qu'ami, j'aurais jamais pu rêver mieux comme compliment. N'espère rien, maintenant voilà. Je suis caché avec tout le monde. Y a pas à espérer. C'est fini entre nous. Tu m'as brisé le cœur, tu me le briseras pas 2 fois. Voilà, tu restes quand même beau gosse. J'espère juste que tu vas me briser le cul. Bonjour, ça parle de fesses? C'est Zafil, il m'a dit, il voulait que je lui brise le cul. Oh, oula, mon ref. Wesh. Mais ça? Comment ça, mon ref? Wouah, salut les gars. Ouais. Mais attends, mais je t'ai entendu partir en express. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens pas à l'aise là. On a parlé de cul avec Raph et tout. Tu pouvais plus te tenir là? Les gars, je devais juste aller check un truc dans la maison. Je pense que c'est quand j'ai dit que vous étiez dur hier. Zaf. Oh putain de merde, oh putain. Ah, hier, je n'ai jamais été aussi dur. Normalement. Ouais. Quelle catégorie? What the fuck, il a mode des talons là. Mais catégorie de quoi? Tu regardes une série policière? Ouais, oui, c'est sur ça. Netflix. Il y a plein de crimes. Je connais pas c'est quoi la série? Je connais pas le générique. Je t'enverrai un lien. Ah, apparemment elle rentre dans la tête et tout, vous l'avez dit premier coup. Quoi. Comme ça elle a un peu de la batterie et tout, j'aime bien. Mais attends, j'ai Shazam, je vais voir vite fait. Mais c'est quoi le nom de la série? Mais fait croquer, c'est ça, c'est le même générique? Ouais, c'est Netflix, c'est Horizon Policière. Ça a l'air chiant de ouf avec le nom. Garde ça entre nous.
Attends, Horizon Policière. Non, non, mais mec, en vrai, c'est pas ouf, faut Horizon pas que tu regardes. Ouais, mais c'est une série quoi? C'est d'enquête? C'est. D'enquête, ouais. C'est en anglais qu'on dit comme ça. On pourra t'envoyer un lien si tu veux, si t'es intéressé en vrai. Ouais. Quelle que soit la série que vous regardez, bon visionnage. Ne me spoilez pas et puis vous me tenez au courant du nom. T'as quel âge, Raphaël? Bonjour, Pozo. Juste pour savoir. Bonjour. 26. Et les gars? Ah ouais, parce que. Ok. Les gars. Ouais. Tu les fais pas du tout, hein. Franchement, tu fais moins, Raphaël. Hein. Tu dabs et tout, t'es jeune. Dab! Ouais, oh, non, mais là, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression d'avoir 18 ans. T'as là. Un compte Facebook qu'on s'ajoute? Non, oui. Non, j'ai pas mon ref. Tiens, et un boomer, Tumblr. En fait, personne j'ai. Tumblr. Non, mais j'ai, mais je me rappelle plus du mot de passe, donc trop chiant, quoi. Rien à voir, ouais, je vais parler un peu série policière. Zafil, il regarde une série en ce moment. Non. Il a lancé sur le portable, il veut pas me donner le nom de la série. Le générique, ça fait. C'est un truc comme ça. Il la relance encore. C'est New York Unité Spéciale, non? Mais je sais pas, il m'a dit regarder une série, enfin il regardait un truc et c'est sur les policiers sexy et tout. Et je sais pas ce que c'est. Ouais, ta c'est série. Ça, je crois. C'est ça. Et à la fin, ça fait voici leurs histoires. Toudoum. Ouais. C'est sur les gars. Wesh, ouais. Mais wesh, il fait quoi là? Elle laisse le regarder sa série tranquille, non? Il y a une odeur spéciale ici là. Ouais, ça fait combien de temps que tu la regardes? Les gars, c'est quoi sur l'enclume là? C'est bizarre ce truc. Ouais. Non, mais t'as fissuré l'enclume? Attends, t'as fait comment ton truc là? Les gars, regardez pas, c'est bon. Wow. Ah ouais, t'es bien équipé, Zaf. Hein. Ouais, il est dur de ouf. Elle est ultra dure. Hein. Il s'est assis sur l'enclume et il y a un bruit métallique de fou. Je crois que je vais vous laisser, les gars. Hein. Juste, c'est qui s'est fait niquer ce coup-ci? Waouh, comment ça? Je suis arrivé, il y avait ça chez moi. C'est pas moi, c'est pas grave. C'est pas toi, apparemment, c'est encore un autre. J'ai l'impression qu'on se joue de moi. Un cœur brisé. Oh bah oui. Oh oui. Oui, c'est nous. Pozo, niveau santé mentale, ça va mieux là? Ça va de ouf. Ouais, ça t'es un peu stabilisé. Ouais. Parce que il y a deux jours, ça allait pas fort. Hein. Je me souviens plus. T'es quand même vraiment retrouvé à traîner avec les gobelins. Ah, mais non, ça c'était pour mon prochain spectacle. J'essaie de m'imprégner de ouf pour vraiment avoir bien le personnage. Ah, tu te mets dans la peau. Genre, j'essaie de traîner avec les gens pour voir vraiment comment ils réagissent et tout. Oui. Problème. Oh, c'est quoi cette affiche là? Eh, il a une tête bizarre. Il est pas comme nous. Il a une tête ronde. Ah oui. Mais je crois que c'est un jeu. Les gars, il a une tête ronde. Ah, c'est dans un jeu. Ouais, ça fait trop bizarre. En gros, tout est rond dans le jeu. Zaf, t'as laissé ton portable là? Oh putain de merde, oh là. Mais Zaf. Mais attends, tiens, je te le redonne parce que trop chelou les images. Ah merci. C'est ma série policière. Zaf, franchement, mais elle a l'air trop cool, mais le générique il reste en tête. Zaf, il y a plein de choses que tu connais que je ne connais pas encore. Donc faudrait que tu me donnes la ref de ce jeu. J'aime beaucoup avec tous les trucs en rond, avec le personnage bizarre. Là, je veux faire un personnage troll aussi. Et puis la série policière. Un personnage troll. Les mots sont durs. Mais vas-y, je te tiens au courant. Bon bah bonne nuit les gars. De toute façon, il fait nuit. Hein. Chris, bizarre un peu du coup, puisque enfin, il a une meuf en plus. Donc s'il veut ma queue, pourquoi vous vous cachez dans mon champ? Désolé, je me suis assoupi dans les champs tout à l'heure quand je me suis baladé. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Il y en avait dans des films. Pozo, il a tué ça. Pozo a tué ça là. Isman, vous pouvez m'en aller sur toi s'il vous plaît. Hop. Il est mort. Oui bah oui il est mort. Je vous voyais, vous étiez tous les deux sur le toit. Quoi? Il est mort de Non, il abuse, il est mort de vieillesse là. Mais il c'est quoi cette chute? Non, c'est abusé. Non. Il est vraiment. Il est mort de 3 mètres. Attends, non mais wesh. Il est en train de se faire. Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Il l'a sauvé. Quoi? Wesh. Crazy Man. Monsieur Crazy Man. Crazy Man. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous ai vu tuer Sam. Essayez de l'aider. Je vous ai vu tuer Sam, Crazy Man. Vous avez le droit de garder le silence. Mais il s'est remis dedans. Salaud. Excusez-moi monsieur, mais vous n'allez pas l'interroger sans la présence de son avocat. On vous écoute. Je vous ai. Les chefs d'inculpation. Oh putain. Les chefs d'inculpation sont le meurtre. J'ai vu Crazy Man ici présent. Et le meurtre. Sauver puis tuer Sam de sang-froid. Et alors pourquoi je l'aurais sauvé derrière tuer cette débile? Ça n'a aucun sens. Mais j'avais la longue vue. Il y a Pozo en témoin. Je pourrais l'amener. Je crois que votre chien veut. Crécido, chill, calme. Eh, Crécido, calme. Non, on remet ta mère. Arrête, Crécido. Donc Sam, en fait, est en train de mourir, pris dans des ronces. Voilà. Elle est en train de mourir à petit feu. J'ai vu Crazy Man venir pour l'aider. J'ai fait, c'est bien. Crazy Man a retiré Sam des ronces et l'a rejeté dans les ronces. Et Sam en est mort. Non, je l'ai mis à côté. Il s'est remis dans les ronces tout seul. Attendez, donc il est mort parce qu'on l'a mis dans des ronces. Oui, parce que Crazy Man. Je suis obligé un petit peu de le frapper pour l'accrocher avec le crochet. Mais du coup, on dirait que c'est moi qui l'ai tué, sauf que non. Moi, je pense que là, il y a eu une incompréhension. Je comprends pas pourquoi est-ce que mon client aurait essayé de le sauver puis ensuite l'aurait assassiné. Ok, Dame Emma, j'ai une autre question. Pourquoi Rafale a
frappé mon chien à deux reprises. SPA is coming. Mon chien est bien blessé. Normalement, un chien ne croque pas, un chien ne mord pas. Rafale vient de lui décoller deux golden. Mais parce que le chien lui a sauté dessus. Crazyman, pardon, Crazyman. Désolé, j'ai la haine contre un mec qui s'appelle Rafale Orville et c'est pour ça il reste dans ma tête. Je le déteste. Je le déteste, c'est un psy là, il est trop nul, il devrait changer de métier. Bref. À votre avis, pourquoi il a pris un chien? Parce que il s'est séparé avec sa fille, il fallait bien quelque chose d'affectif. Ah, vous avez raison. Vous devriez être psy, monsieur Crazyman, ça vous irait très bien. Ouais. Et ben, Crazyman. Crazyman. Pourquoi vous rigolez-vous tous les deux? Non, on fait des petits filets de jeu entre avocat et client. On peut être... Mais waouh, mais c'est fou, hein. Crazyman, c'est gris, là. Si vous voulez, une fois que vous aurez purgé votre peine, hein, parce que ça va pas rester impuni ce que vous avez fait... Mais à quel moment je vais purger une peine? Vous pourrez... Alors, laissez-moi parler. Excusez-moi, mais il me semble qu'il y aura un procès parce que Michou a été élu le nouveau juge. Michou est le nouveau juge? Eh bien, il y aura le procès de Rafale. Mais ce que je propose sinon, Rafale, voilà, pour éviter de purger votre peine, nous pouvons essayer de vous réinsérer au sein de Crazy Town en tant que nouveau psy. Mais... Comme ça, on fout la porte Rafale. Mais pourquoi? Pardon? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que non. J'en pense que c'est... On va pas virer un honnête habitant. Bon, on va pas virer un honnête habitant parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas vrai. Eh bien, Crazyman, levez-vous, allez en prison. Vous avez raison. Non. À quel moment? Monsieur... Mon client. Mais les lois de l'Amérique. Maître. Je vous propose... Attention, je vous propose quelque chose. Mon client, pour le moment, ne sera pas mis en prison en échange d'une caution. Et lors du jugement, le juge décidera si oui ou non mon client doit faire de la prison. D'accord, j'attends la caution tout de suite. C'est deux diamants. Mais ah bah... Je pète un plomb, mais... Et Crazyman, restez calme. Non, moi je vous propose 21 lingots de fer. Ok, un diamant et 10 lingots de fer. Non. 21 lingots de fer et pas de diamant. Je veux un diamant tout de suite ou je lâche Crazy Doux. Mais vous êtes malade. Je n'ai pas fait votre crime. On va pour 21 fer. Tenez. Merci. Allez, vous pouvez y aller. Je lâche Crazy Doux dans 5, 4, 3, 2... Non, au secours, non. Allez, du balai. Du balai. Il a l'air si mignon, ce petit chien. Mais oui, il est adorable. Il a l'air si mignon. Il aime juste pas les prisonniers. Petit. Mais oui, il est mignon. C'est une belle ordure, si je peux me permettre, monsieur l'agent. Il tourne mal. Ouais, je suis bien d'accord. Gardez un œil sur lui, il me paraît louche. Vous aussi, d'ailleurs, parce que votre femme est son avocate. Donc si jamais elle lâche des infos ou elle fait un faux pas, vous me le dites. Et c'est on fait bizarre, parce que tout à l'heure, je lui ai donné du fer. Et là, je lui ai demandé de me le rendre et elle m'a dit qu'elle en avait plus. Le fer est en ma possession, donc. Comment ça se fait? Emma a décidé de payer la caution de son client. D'accord. Donc Emma me doit de l'argent. Ils vont se coucher chez Mastu. On devrait aller dormir, je pense. On devient fou. Je vais aller dormir avec vous. Non mais je crois pas, venez. Il y a une grande baie vitrée, je connais. Oula. Ah, oula. Qu'est-ce que... C'est pas ce que tu vois. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, vous avez vu? Oui, j'ai vu. Non, j'avais vu de mes propres yeux. C'est la normale. Crazyman qui s'est couché avec Emma. Personne ne s'est couché avec Emma. Emma, vous allez me dire que c'était quoi là? C'était pour échauffer le lit? Nous, c'était juste parce que Michou nous a demandé de dormir, du coup. Mais vous êtes allé en terrain neutre là, vous êtes allé chez quelqu'un d'autre. J'ai le cœur brisé. Ah bah là, Chris, ouais. Purée. On a fait comme chez nous. Crazyman et Emma. Je suis choqué là, j'ai vu des trucs de fou. Bonne nuit, monsieur l'agent. On aurait besoin de frapper qui là-haut? Mais Zafil. En fait, j'ai vu une dinguerie. Ah ouais. Alors, je pas forcément tout de suite, j'ai vu. Il y a eu un vol là. En gros, j'ai vu. Oh waouh. En gros, ouais. On aura besoin de toi à un moment. Il y a un procès pour Crazyman pour le meurtre de Sam. Et pendant ce temps, Emma est l'avocate de Crazyman. Donc, elle l'a fait sortir de prison en payant une caution. Et on a surpris avec Chris Emma dormir avec Crazyman le soir suivant. Alors, déjà. Emma a dormi avec Crazyman. Non. Et moi qui pensais que j'étais fou. Alors, laissez-moi vous expliquer. Premièrement, ma vie personnelle ne concerne personne dans ce village. Deuxièmement, je n'ai absolument pas. Mais pas du tout. C'est quoi, simplement, mais vraiment rien. On se faisait attaquer par les monstres. On a trouvé la maison de Théo. Oui, et vous êtes retrouvé dans le même lit chez Théo. Oui. Mais ça fait beaucoup de coïncidences. C'est vraiment pas ce qui s'est passé. Et là, Chris vient de se faire enlever par Crazyman. Donc il faut que j'y aille. Je sais pas où ils sont partis. Vas-y, vas-y. Ouais. T'as dit ça très calmement. Mais Crazyman a embarqué Chris. Je sais pas où ils sont partis. Ok, donc je serai prêt pour le procès. Ouais, ok. Super, bah, je vous les emmène. Chris, vous allez bien? Oui, c'est bon. Il m'a libéré. Il vous a emmené où, Crazyman? J'ai cherché partout. J'ai retourné la ville. Il m'a ramené chez moi. Mais il a voulu me faire peur dans le ciel et il me disait: je vais te lâcher, je vais te tuer, mon gars. Mais attendez, là il a grave son cas. Et donc là, Emma, vous allez me dire que vous allez continuer de défendre Crazyman? Là, ça va être un peu compliqué. Il va falloir que je me concerte avec mon client et que j'étudie les faits. Votre client ou votre amant? Mon client! Je suis pas. Je n'ai pas de relation avec monsieur Crazyman. Je pense que moi, je vais aller dormir quelques temps dans la cabane au-dessus de la maison. Je pense que c'est un choix judicieux, Chris. Je pense que j'ai besoin de toi. Monsieur l'agent, mêlez-vous de vos oignons, on verra ça plus tard. Cette conversation est de pire en pire. Je préfère y aller. Bon courage, Chris. Vous
vous préviens. Mêlez-vous de vos affaires. Crazy Man, il est dans de beaux draps. Le tribunal, je peux vous dire qu'il va piquer pour Crazy Man. Bah, si je viens vous voir, justement, c'est concernant Crazy Man. Bah, en ce moment, avec Crazy Man, on était partenaires, quoi. On était comme les 10 doigts de la main. Je trouve que dernièrement, Crazy Man a un petit peu changé. Il a mal tourné. Il a tué Sam de sang-froid sous mes yeux. Je l'ai vu tuer Sam, le jeter dans des ronces. Il a enlevé Chris, l'a menacé apparemment de le lâcher une fois dans le ciel, l'a menacé de le lâcher à plusieurs reprises dans le vide. Hein, vraiment, moi je me sens plus en sécurité avec Crazy Man. Mais du coup, vous venez pourquoi? Vous venez pour que je psychanalyse Crazy Man? Ou vous venez pour vous, en fait? Je comprends pas le... Bah, je voulais savoir comment vous faisiez, vous, pour gérer ça, parce que c'est la perte d'un ami proche, quoi. Écoutez, parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, il faut comprendre pourquoi Crazy Man est comme ça. Et pourquoi Crazy Man a tué quelqu'un, mais je sais pas. Ce qu'il faut actuellement, c'est se mettre à la place de l'autre. Pourquoi il a menacé les gens? Moi, je vais vous dire, j'ai une petite idée. Il faut prendre en considération que vous étiez tous dans une prise d'otage quand j'étais pas là, et apparemment, il pouvait pas vous sauver. Mais je lui en tiens pas rigueur. Hein. Il a fait un flop, ça arrive à tout le monde de faire un flop, même au supérieur. Oui, d'accord. Je pense que ça le tourmente. De plus, la dernière fois, on m'a raconté aussi qu'il avait essayé d'enfermer quelqu'un parce que vraiment, il s'était passé quelque chose. On lui a enlevé le fait d'arrêter cette personne parce qu'il avait pas les droits. Je pense qu'en fait, Crazy Man a le seum de pas avoir autant de droits que vous pour vous aider, pour aider la ville. Et je pense que c'est ça qui le tourmente, et c'est pour ça qu'il devient aussi peut-être crazy. Attendez, je sors mon portable. Ah, non, pas de problème. Ah, bizarrement, moi aussi, j'ai Twitter. Ah, vous avez Twitter aussi, ah. Ouais, c'est fou. Je crois que je vais faire maintenant des séances payantes. Donc ça sera 3, 4, 5, 5 diamants. C'est cher, hein. Bon, j'espère qu'à ce prix-là, on aura au moins des réponses à nos questions, parce que là, j'en ai toujours pas eu. Enfin, bref. D'accord, 5 diamants et 2 de Netherite aussi. Non, bah ça ira. Non, ça ira. Ok, eh ben n'hésitez pas voilà. Si vous avez besoin de moi, hésitez, quoi. Ouais, bah la prochaine fois, j'hésiterai, ouais. J'hésiterai à deux fois avant de venir vous voir. Hésite bien fort. Mmh. Ouais. Actuen. Oui. Actuen, commissariat, maintenant, vous, imposteur, vous, Actuen. Je sais plus parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un imposteur dans le commissariat. Comment ça, il y a un imposteur dans le commissariat? Que faites-vous ici? Toi, on parle. Pozo. Aïe! Venez, demi-tour. Mais... est-ce que vous faisiez au commissariat, monsieur Pozo? Mais j'étais venu vous voir! Ok, mais pourquoi vous n'êtes pas arrêté quand on vous a interpellé? Mais vous m'avez pas interpellé! Hop! Mais pourquoi on met les menottes pour rien comme ça? Je voulais pas que vous vous enfuyiez parce que je vous ai vu quitter le commissariat alors qu'il y a personne. Donc je voulais vous questionner. Non, mais c'est une dinguerie! Au pire, vous me dites faites demi-tour, on va voir dans le commissariat s'il y a rien et voilà! Bon bah suivez-moi, on va voir dans le commissariat s'il y a rien. Bah démenottez-moi! J'ai peur que vous enfuyiez ou que vous m'attaquiez. Ouais, bah. Là, c'est moi qui vous dis que Emma, elle va entendre, des choses. Là. Comment ça, Emma, avant d'entendre parler? Mais vous menottez alors qu'il y a rien? Qui vous a menotté? Personne vous a menotté? On parle de Crazy Man. Personne vous a menotté? C'est pas le plus pourri. On fait un tour du commissariat? Raphaël est venu, il m'a dit qu'il y avait une infiltration dans le commissariat. Une infiltration? Il m'a dit que quelqu'un s'est infiltré dans le commissariat, apparemment. Comment ça, infiltré? Je suis passé par la porte de devant. Bon, non, bah je comprends pas. C'est bon. Ouais, bon, c'est bon, vous pouvez circuler. Oui, c'est ce que je voulais faire de base. Qui s'est passé là, reste entre nous. Vivement qu'il se fasse sauter, lui. Hein. Oh, Pozo, t'as pas contacté Emma? Ouais, un petit peu, mais parce que je me suis un peu fait frapper en haut, mais j'ai pas le droit d'en parler à Skip. Comment ça? Et tu as? Il y a eu une giga bavure policière, mais vas-y. Tranquille, hein. C'est devenu une habitude dans le village. Hein. Alors, pour ma défense, je vais pas me défendre, mais en gros, j'ai vu. Si, vous avez j'ai vu monsieur Pozou. En fait, j'ai croisé Rafale, il est venu me chercher, il m'a dit monsieur le chef de sécurité, quelqu'un s'est infiltré dans le commissariat. Vous avez l'air de bégayer, ça monsieur Lagrange. Non, mais j'ai. Voilà. Donc, Rafale est venu me dire ça. J'ai croisé Pozou qui s'enfuit du commissariat, je lui ai dit hep, restez ici. Non, il ne s'est pas arrêté. Je l'ai donc menotté et je l'ai fait venir avec moi au commissariat pour voir si rien n'avait été dérobé. Et c'est du coup, je m'en fous. Je partais du commissariat par la porte d'entrée. Comme n'importe quel citoyen pourrait faire. Et vous m'avez menotté instantanément. Parce que Raphaël m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était infiltré dans le commissariat et je. Et ben donc là si je vous dis. C'est une sacrée affaire quand même. Là si je vous dis. Ouais, mais monsieur c'est quelque Michou chose de secondaire. Quelqu'un, c'est pour ça que. Vous allez l'emmener en prison, juste parce que je vous le dis. Bah, je vais l'emmener et l'interroger, oui. Bah, vous allez lui poser des questions gentiment parce que c'est pas fondé. Oui, mais là vous étiez en train de courir. Vous étiez en train de courir. Je remarque bien quand même, monsieur Actuan, que la tête de Pozou est remplie de bosses. J'ai trop mal. Michou, Pozou, il a des antécédents. Il a été diagnostiqué comme étant fou. Des fois, il se fait passer pour certaines personnes, où il fait usurpation d'identité, ça m'étonnerait pas qu'il soit tapé la tête contre le mur pour me faire couler. Oh. Ça n'a aucun rapport. Franchement, j'aimerais avoir les dossiers et je crois qu'un jugement va avoir besoin d'un jugement. Bah, il va peut-être pour y avoir deux jugements du coup ce soir. J'ai besoin c'était d'un pupitre pour le jugement. Au sujet de Crazy Man. Oui. J'ai décidé de pas mentir et bah de dire ouais qu'il l'a tué sous mes yeux. Non, ça c'est un mensonge. Je refuse votre demande. Ça c'est un mensonge. Emma, vous avez demandé à mentir ? Non, ça vous regarde pas, c'est une conversation que j'ai eue avec elle privée cette nuit. Merci Chris. À l'écart. Emma ? Je n'ai pas demandé à mentir, j'ai demandé parce à ce qu'on fait, voit sa par rapport à votre paiement, j'ai besoin de rien. Il n'y avait pas de paiement. Bon là, ça commence très mal. Je pense qu'on fait ça à la mairie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires qui tombent. Ouais, on va en parler pendant le jugement de toute façon, je pense. Mais il manque le principal concerné.
Kaziman, on peut voir la musique. La musique d'intro, s'il vous plaît. Ouais, musique d'intro. Ah, monsieur, vous êtes trompé. Ah, mais c'est la série Zafil, ça. Ouais, c'est la série Zafil. Tout le monde regarde cette série. Voilà, c'est celle-là que je chantonnais tout à l'heure. Tout le monde regarde cette série. Voilà, c'est bien lui. Crazy Man, c'est moi, ces trucs-là. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Vous venez de lui demander de mettre sa musique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah, c'est votre jugement. C'est votre jugement, Crazy Man. Mais c'est la bulle. Il peut y aller. Il a rien fait. Regardez, c'est abusé. Il fait tout le temps ça. Monsieur Actuan, normalement, il y a pas besoin de le menoter. Monsieur Michou, vous voyez? Ah, mais je sais pas, j'ai vu dans les. C'est l'abus de pouvoir. J'ai regardé. Il n'a pas encore été jugé. Oh, monsieur. Non, c'est pour retirer. C'est pour retirer les menottes. Il lui a enlevé les menottes. Monsieur Raph. Il est accusé de quoi? De meurtre. Ah, mais lui, il est... Bah oui, c'est pour ça. Mais c'est pas moi, Rafal. Détachez-moi. Crazy Man. Je vous ai dit, j'ai une haine contre Rafal. Ok, on se rend à la mairie pour faire le jugement. Oui, le pupitre va pouvoir commencer.